Salut le Saiyan. Salut le Saiyan. Aujourd'hui, cinquième séance, comme promis, avec une chaise, avec mon acolyte Eden. Donc on va faire un petit travail technique de passe. Ensuite, on fera également un petit travail technique de contrôle et de maîtrise de ballon au sol. Vous verrez, comme dit, pas besoin de beaucoup de matériel. Vous avez tous des chaises chez vous. Alors ici, ce sont des chaises de jardin, mais vous pouvez très bien en prendre chez vous. Un ballon, évidemment. Eden, merci pour le rappeler. On est quand même dans du football. Et pour l'exercice de tout à l'heure, d'accord, le deuxième exercice, on aura besoin de deux bouteilles d'eau. Je pense que chacun a ça chez lui. Et notre éternel ami balai, pareil. Juste un bâton de balai. Et je pense que chacun en a un chez lui. Ça marche? A tout de suite, Saiyan. Pour cet exercice, il faut être à deux, donc un joueur de part et d'autre de la chaise. L'objectif étant de mettre, de faire la passe à son partenaire en face, entre les pieds de la chaise. D'accord? On démontre? C'est parti, Eden. Pour commencer plus simplement, on va faire uniquement pied fort, d'accord, avec un contrôle et une passe derrière. Voilà, donc à chaque fois qu'un ballon touche la chaise ou un ballon est mal renvoyé, on va considérer qu'il a un point de pénalité. Donc là, pour le moment, c'est moi qui mène 1-0. D'accord? C'est une espèce de tennis ballon, cette fois-ci un peu de façon un petit peu différente, avec une chaise. C'est parti. Et là, on reste en mouvement. Donc voilà pour la première partie. Une fois que vous êtes bien plus à l'aise avec votre exercice, cette fois-ci, on va un petit peu corser. On va alterner pied droit, pied gauche. Ok? Allez, c'est parti. On se met en place. Pied droit, pied gauche. Pied droit. Ah, tu vois? Allez. Donc, deuxième exercice cette fois-ci, avec un travail de passe, toujours de maîtrise technique. On va essayer de garder un maximum de fois le ballon au sol. Donc, l'exercice se présente de la manière suivante. Deux bouteilles et notre fameux balai. D'accord? L'objectif étant de réaliser un maximum de passes sous le balai, sans faire tomber le balai qui est posé sur les bouteilles. C'est bon? Oui. Pour cet exercice, le travail se fait uniquement en une touche de balle. D'accord? C'est à nous de maîtriser et de garder le ballon au sol. C'est parfait. Il faut la laisser au sol. Hein. Elle ne remonte pas. Ah, bravo. Et progressivement, on appuie de plus en plus les balles. Ah, ça fait chaud. Donc vous l'avez compris, Eden vient de prendre une tôle, hein, parce qu'il y a 3-0. Hein, donc vraiment, vous voyez, hein, ce travail, c'est vraiment de maîtriser le ballon et de le garder un maximum au sol. On va passer à la deuxième phase de cet exercice. On va complexifier un petit peu plus. On va mettre deux touches de balle. Cette fois-ci, il y a un joueur qui envoie le ballon à la main en l'air. L'objectif pour celui qui la reçoit, c'est de la mettre au sol et de la passer sous le bâton. En deux touches de balle. Allez. Si t'es content de toi déjà, c'est bien. Là, ok, bien joué, encore. Là,
Ok, bien joué. En dessous. Ouais. Mais c'est pas grave, au moins t'as utilisé ton pied gauche. Voilà, la balle. Si la balle elle vient derrière toi, il faut que tu recules. Si elle vient vers l'avant, tu... D'accord ? Toi tu attends qu'elle arrive pile là où tu veux. Elle arrivera jamais pile là où tu veux. C'est toi qui dois aller chercher là où tu veux la veux. Vas-y. Là. Voilà, très bien. C'est toi qui dois la mettre où tu veux. Voilà. Ok, maintenant qu'on a passé cette étape, on va passer à l'étape au-dessus, hein, l'étape Super Saiyan Blue, d'accord ? On va recevoir le ballon de manière aléatoire. Aléatoire Eden, ça veut dire quoi ? Partout. Partout. Épaule, poitrine, cuisse, genou. Là, c'est à nous de maîtriser, toujours en deux touches de balle. On remet le ballon sous, sous le balai. Ok ? Allez, c'est parti. Voilà les Saiyennes, c'est fini pour la cinquième séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on va se retrouver pour la sixième. Je vous prépare encore quelque chose de bien. Eden, qu'est-ce qui t'a plu durant cette séance ? L'exercice de la chaise. L'exercice de la chaise ? D'accord, ben moi aussi, il m'a beaucoup plu. Donc, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir chez vous. Et qu'est-ce qu'on dit aux Saiyennes avant de partir ? Restez chez vous. À plus les Saiyennes. Ciao, ciao.